Et yo les amis, c'est The Master Room. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va vous permettre de gagner des V-Bucks gratuitement et facilement sur Fortnite et surtout de façon 100% legit. Donc en fait, cette méthode va se baser sur l'utilisation d'un programme qui s'appelle Microsoft Rewards. En gros, ce que vous allez faire, c'est chaque jour, ou quand vous allez utiliser ça par exemple 5 minutes par jour, bref, c'est comme vous avez envie, vous allez gagner des points sur l'application et à force, vous allez pouvoir les échanger contre une carte Microsoft Store. Et c'est ça qui va permettre d'acheter des V-Bucks en fait. Et pour ça, on va passer par le Xbox Cloud Gaming de Microsoft qui va vous permettre de vous connecter à une Xbox et d'acheter des V-Bucks. Alors il y a un point important, si vous êtes sur Nintendo Switch, les V-Bucks que vous allez acheter sur le Xbox Gaming, donc la Xbox en ligne, vous n'allez pas pouvoir les utiliser sur votre Nintendo Switch parce qu'il n'y a pas le porte-monnaie partagé. Par contre, si vous êtes connecté sur le Xbox Cloud Gaming, il n'y a aucun problème. Donc, les V-Bucks resteront stockés là-dessus. Vous pouvez acheter des objets dans la boutique d'objets sans problème. C'est juste un point que je souhaitais noter. Donc maintenant, vous allez ouvrir votre navigateur, donc le navigateur de votre choix. Moi, c'est Microsoft Edge. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi après, mais bref, vous ouvrez votre navigateur. Et là, vous allez rechercher Xbox Live. Donc vous faites entrer et vous allez cliquer sur compte avec Xbox. Donc là, vous allez atterrir sur une page et là, ça va dépendre des cas. Donc, si vous avez une Xbox, vous avez forcément un compte Microsoft. Donc, vous cliquez directement sur se connecter. Si vous avez un compte Microsoft, donc une adresse mail Microsoft, mais que vous n'avez pas de Xbox, pareil, vous cliquez sur se connecter, ça va vous créer un compte Xbox pour vous. Par contre, si jamais vous n'avez vraiment rien de tout ça, vous jouez sur PlayStation, vous n'en avez pas, voilà, vous cliquez sur créer un compte gratuit. Moi, je n'ai pas créé de compte parce que j'en ai déjà un, mais je vais juste montrer rapidement la démarche. Voilà, donc là, on est sur la page pour créer un compte, et là, vous allez cliquer sur obtenir une nouvelle adresse email. Voilà, donc là, c'est là que vous allez entrer toutes les informations qui sont nécessaires pour créer le compte Xbox. Donc, moi, je ne vais pas le faire. Donc, si vous n'êtes pas connecté, donc quand vous attirez ici sur cette page, on vous demande de vous connecter. Vous cliquez sur se connecter. Et là, vous allez entrer vos identifiants, donc de connexion. Faire suivant, se connecter une fois que vous avez tout entré. Et là, vous allez atterrir sur une page, bon, ça va pas être la même que la mienne, parce que moi, en fait, j'ai déjà fait la manip, mais en fait, vous allez devoir accepter les conditions générales d'utilisation. Donc, vous aurez juste à cliquer sur j'accepte, et ça sera bon. Donc, Microsoft va générer un gamer tag, donc c'est un pseudo Xbox par défaut. Et pour voir ce pseudo Xbox, donc ça va être utile pour vérifier quand vous allez vous connecter au Xbox Cloud Gaming, en fait, donc à Xbox sur le navigateur. Donc, vous allez ici, donc tout en haut, là. Donc, au niveau de votre nom, de votre pseudo, et vous allez aller sur Xbox Profile. Vous cliquez sur ça. Et là, en fait, dans l'encadré en vert, là tout en haut, en gros, là en gras, en fait, c'est votre pseudo. Donc, vous, ça va pas être ça va être un pseudo aléatoire, choisi aléatoirement. Moi, j'ai changé, donc c'est The Master Chrome, mais vous, ça va être autre chose, et donc, c'est en fait ce pseudo-là que vous allez voir quand vous allez vous connecter sur le Xbox Cloud Gaming. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi changer directement sur l'application qui est en sous-personnalisée. Il n'y a pas besoin, c'est pas utile pour récupérer les V-Bucks. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier le compte Xbox créé, ou celui que vous avez déjà, à votre compte Epic Games. Ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre de vous connecter au Xbox Cloud Gaming. Donc si vous êtes sur Xbox, normalement le processus va être quasiment automatique, mais je vous conseille quand même de suivre un peu la démarche pour vérifier que tout est bon sur votre compte Xbox. Donc vous allez, comme auparavant, ouvrir votre navigateur et là vous allez taper Epic Games. Vous allez cliquer sur Accueil Epic Games. Voilà, et là vous allez cliquer sur Se connecter. Là, ça va dépendre de votre plateforme. Donc moi, je suis sur PC, donc ça va être se connecter avec Epic Games. Si vous êtes sur une console, vous sélectionnez celle que vous avez, donc Xbox, PlayStation ou Nintendo. Et donc, si jamais vous n'avez pas de compte Epic Games, en fait, la page là, elle va vous créer un compte pour vous automatiquement avec toutes les informations que vous allez renseigner. Donc moi, j'en ai déjà un.
Donc je vais cliquer sur se connecter avec Epic Games pour PC. Donc une fois que tout est bon, vous avez tout validé au niveau des informations, vous êtes connecté, vous allez aller tout au-dessus au niveau de votre pseudo. Et là, vous allez cliquer sur compte. Vous allez aller dans les menus. Et là, vous allez cliquer sur connexion. Vous allez aller dans account ou compte. Et c'est ici en fait qu'on va pouvoir faire la liaison. Donc si vous êtes sur Xbox, compte Xbox, normalement ça va déjà être fait. Si vous êtes comme moi sur PC, PlayStation ou Nintendo, ça ne sera pas fait. Et là, ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir cliquer sur le bouton qui va être comme ça, en bleu, pour effectuer la liaison. Donc là, ils vont vous demander d'entrer vos identifiants de Microsoft, Xbox. Et une fois que tout est bon, vous avez bien fait la liaison, vous allez devoir confirmer. Et ça sera bon, après la liaison va être faite. Et là, comme vous pouvez voir, il y a mon gamertag Microsoft, comme vu auparavant, qui est affiché ici. Et donc c'est celui-là qui sera affiché sur le Xbox One Gaming quand vous allez lancer la Xbox sur votre navigateur en fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une extension qui va permettre d'utiliser votre clavier à la place d'une manette, parce qu'en fait, le Xbox Cloud Gaming il permet uniquement de jouer avec une manette par défaut et pas avec le clavier. Donc l'extension, elle est compatible avec Microsoft Edge et Chrome. Donc si vous n'avez pas un de ces deux navigateurs, vous allez devoir en installer un des deux. Moi, je vous conseille Edge parce que c'est le navigateur de Microsoft et donc ça va vous faciliter la tâche pour Microsoft Rewards. Et aussi parce que vous gagnez des points en plus si vous utilisez le navigateur Edge. Et après, c'est comme vous voulez, vous pouvez aussi utiliser Chrome, ça fonctionnera aussi. Donc vous allez taper xCloud, vous allez rechercher ça en fait. xCloud, keyboard and mouse. Vous recherchez. Là, vous allez descendre un peu jusqu'à voir là où c'est marqué chrome.google.com et keyboard and mouse for Xbox xCloud. Donc vous cliquez sur ça. Et là, vous allez cliquer sur ajouter à Chrome. Donc si vous avez Edge, ça fonctionnera aussi, vous inquiétez pas. Là, vous allez faire ajouter une extension. Voilà, donc là, l'extension a bien été installée. Donc si vous n'avez pas beaucoup, ça va apparaître dans le menu au-dessus. Sinon, vous allez dans le menu des extensions et vous la verrez. Donc déjà, ce qu'il faut faire, il faut fermer le navigateur et le rouvrir. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, vous allez aller sur le lien que j'ai mis en description, donc Udrop Fortnite. Et en fait, ça va permettre de télécharger un fichier de configuration pour que vous n'ayez rien à faire au niveau des touches sur l'extension. Donc, vous allez cliquer sur downloadfortnite.json. Voilà, donc là, c'est téléchargé. Et là, vous allez ouvrir l'extension, donc Keyboard and Mouse. Donc, c'est une icône verte avec un clavier et une souris dedans. Donc, si vous ne voyez pas ici, vous allez cliquer sur la pièce de puzzle ici pour afficher toutes les extensions. Et là, vous allez cliquer sur Keyboard and Mouse for Xbox xCloud. Voilà, là, vous allez cliquer sur le plus. Et vous allez entrer ce que vous voulez comme nom, c'est pas important. Et là, vous allez cliquer sur Import File pour importer le fichier qu'on vient de télécharger. Voilà, là, ça a été importé avec succès. Donc, les touches qui vont être utilisées, ça va être la touche A pour valider les actions dans le jeu. Et ça se fait avec la touche Entrée ici. La touche B, c'est ce qui va permettre d'annuler les actions si jamais vous avez besoin. Et ça se fait avec la touche Retour du clavier. La touche X, elle va permettre de valider l'achat des V-Bucks. En fait, et ça se fait avec la touche Shift à droite du clavier. Left shoulder et right shoulder, ça va permettre en fait de naviguer dans les menus tout en haut du jeu, donc tout ce qui concerne le type d'objet, casier, V-Bucks, et ça se fait avec les touches 4 et 6 ou 4 et 6 du pavé numérique, donc 4 pour aller à gauche et 6 pour aller à droite. Ensuite, les touches D-pad up, left, down et right, c'est ce qui va permettre de naviguer dans les options du jeu, surtout pour choisir les V-Bucks en fait. Et ça se fait avec les touches flèche haut, flèche à gauche, flèche basse, flèche à droite.
Et il y a deux dernières touches qui sont utiles. Donc la première fois que vous allez lancer le jeu, vous allez avoir une étape de calibration. Et là, ici, ça va se faire avec les touches 8 et 2 du clavier ou encore une fois 8 et 2 du pavé numérique. Voilà, donc maintenant vous faites Use. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter au Xbox Cloud Gaming pour vérifier que la liaison entre votre compte Microsoft et Epic Games est bien effectuée. Donc si ça fonctionne pas, ça sert à rien d'aller plus loin, ça va jamais fonctionner. Il faut vraiment que ça fonctionne correctement. Donc vous allez rechercher Xbox Cloud Gaming Fortnite. Et là, vous allez cliquer sur Jouer à Fortnite Xbox Cloud Gaming sur xbox.com. Voilà, donc là, vous allez atterrir à peu près sur la même page que moi. Si vous n'êtes pas connecté, vous allez cliquer sur Connexion ici. Et une fois que vous êtes connecté, vous allez cliquer sur Jouer. Voilà, donc là, vous allez avoir un avertissement comme quoi vous n'avez pas de manette, mais comme on a installé une extension pour passer outre cette manette, vous allez cliquer sur Continuer quand même. Et là, il y a la Xbox en fait qui va se lancer. Donc, vous cliquez sur ça. Voilà, et donc là, le jeu est en train de charger. Donc, vous allez avoir une étape en plus, parce que moi, en fait, j'ai déjà fait cette étape. Vous allez devoir calibrer votre écran pour qu'en fait la zone elle corresponde à celle du navigateur. Donc, vous allez avoir des encoches, il va falloir les aligner sur les coins gauche, droite, haut, bas du navigateur. Donc, vous faites ça avec les touches du pavé numérique 8. Donc 8, ça va être pour augmenter et 2, ça va être pour diminuer. Sauf si vous avez changé, mais moi je vous ai donné la configuration en commentaire avec le fichier. Voilà, donc là, si tout se passe bien, vous arrivez sur le lobby de Fortnite. Donc là, je vais annuler parce que là, on est sur les actualités. Et là, vous allez voir normalement votre gamertag Xbox Microsoft. Donc là, on voit bien le gamertag que j'ai choisi précédemment. C'est bien The Master Chrome, donc c'est déjà un très bon signe. Et pour vérifier encore que c'est bon, vous allez dans votre casier. Donc ça se passe avec la touche du clavier numérique 6. Et voilà, donc là j'ai aussi le casier que j'ai sur mon compte Epic Games, donc sur PC. Donc en fait là je joue sur une Xbox, mais grâce à la liaison j'ai accès à tout ce que j'ai sur mon compte Epic Games, Fortnite sur PC. Donc maintenant on va accéder au programme Microsoft Rewards. Donc vous allez taper Microsoft Rewards sur votre navigateur, vous allez rechercher ça. Et vous allez cliquer sur les premiers liens, donc recevez des récompenses gratuites Microsoft Rewards. Voilà, donc vous, vu que ça va être la première fois, vous allez cliquer sur inscrivez-vous pour connecter en fait votre compte Microsoft à Rewards. Moi, c'est déjà fait, donc je vais juste me connecter. Voilà, donc vous allez entrer vos identifiants Microsoft, votre mot de passe, votre adresse mail, comme d'hab, et vous allez faire se connecter. Voilà, donc ça va peut-être être un peu différent, mais une fois que vous avez tout validé, que votre inscription est effectuée, vous allez arriver sur le tableau de bord. Donc c'est là que vous allez pouvoir gagner la majorité des points. Et justement, en accumulant ces points, vous allez pouvoir échanger ces points contre une carte Microsoft qui va servir justement à acheter des V-Bucks. Donc au niveau des points, là, sur le tableau de bord, il y a vraiment beaucoup de façons de gagner des points. Vous avez des offres que vous pouvez compléter juste en cliquant dessus. Donc par exemple, si je clique sur ça, vêtements d'été. Voilà, j'ouvre ça, c'est bon, j'ai gagné 10 points. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, vous avez des quiz, donc là que vous pouvez compléter. Honnêtement, ils sont pas compliqués. Et dans tous les cas, si jamais vous vous plantez, vous avez juste à faire des clics au hasard. Au bout d'un moment, ça va vous donner tous les points. Donc, c'est vraiment facile, vous pouvez pas vous faire éjecter. En fait, Microsoft va pas vous éjecter si vous trompez. Là, vous avez également des points bonus. Donc si vous cliquez par exemple sur Collect, ça va vous donner 100 points. Donc quand vous, pour la première fois, vous accédez à Microsoft Rewards, il y a aussi les objectifs. Donc si vous cliquez sur ça, vous définissez votre objectif, ça va vous donner 100 points. Donc un objectif, en fait, c'est la récompense que vous voulez atteindre. Moi, par exemple, c'est la carte Microsoft. Ça, c'est l'objectif. Donc vous avez plein de façons de gagner des points. Vous avez même, par exemple, une série. Donc si, par exemple, vous faites une quête chaque jour pendant 3 jours d'affilée, vous avez gagné 45 points.
Là, pareil, vous avez des cartes de fidélité. Bon, il y a des trucs payants, bon, ça, je ne les fais pas. Donc là, compléter cette carte de fidélité pour obtenir 150 points, ça, pareil, c'est ultra rapide. Vous avez juste à faire des clics, ça va vous donner vraiment tous les points assez rapidement. Donc en 3 minutes, ça, c'est fait, hein, vraiment. Même pas, peut-être même pas 3 minutes, j'aurais même 1 ou 2 minutes. Donc ça, vous gagnez 150 points. Vous avez vraiment plein de façons de gagner les points. Mais moi, en fait, j'utilise même pas ça et j'ai quand même 15 000 points. Donc, et ça, ça permet d'acheter déjà une carte Microsoft. Donc moi, en fait, comment je gagne mes points? Des fois, je fais ça, mais vraiment pas souvent. En fait, j'utilise le moteur de recherche de Microsoft. Donc en fait, c'est Google version Microsoft. Donc c'est Bing. En fait, quand je fais mes recherches sur la barre d'adresse, là, quand je tape par exemple Fortnite, en fait, quand je vais faire la recherche, ça va m'ajouter des points sur les Microsoft Rewards. Bon, vous pouvez faire ça, par exemple, en accédant au site bing.com. Donc, vous tapez directement les résultats dessus. Moi, je trouve que ce n'est pas pratique. Mais après, c'est comme vous voulez. Mais si jamais vous voulez justement éviter de faire ça, vous pouvez définir votre moteur de recherche par défaut sur Bing. Si vous êtes sur Chrome, vous allez devoir le faire. Si vous êtes sur Edge, comme moi, il n'y a pas besoin de le faire parce que c'est le navigateur de Microsoft. Voilà, donc si vous êtes sur Chrome, vous allez cliquer sur les trois petits points tout au-dessus, là, où je suis moi. Cliquez dessus, vous allez descendre vers Paramètres. Et là, vous allez taper Moteur de recherche. Et là, vous allez cliquer sur... ça va être à peu près la même chose sur Google Chrome, de toute façon, vu que c'est à peu près le même navigateur. Là, vous cliquez sur ça, et là, vous allez avoir Moteur de recherche utilisé dans la barre d'adresse. Là, vous allez basculer de Google jusqu'à Bing, voilà. Et quand vous allez faire une recherche, en fait, ça va directement utiliser Bing au lieu de Google. Par contre, il y a un truc à faire. Donc, vous allez entrer bing.com, juste pour vous assurer que tout fonctionne. Et là, vous allez cliquer sur Connexion. Compte Microsoft, là, vous allez faire Connexion encore. Voilà, donc, vous vous connectez. Et là, une fois que vous êtes connecté, bah, c'est bon, en fait. Quand vous allez faire les recherches sur bing.com, bah, ça va se comptabiliser, en fait, dans votre tableau de bord Microsoft Rewards. Donc, par exemple, là, je sais pas, je marque n'importe quoi juste pour vous montrer que ça fonctionne. Donc là, j'ai gagné 3 points. Donc là, vous l'avez vu. Donc là, ils sont ici. Et en fait, je peux gagner jusqu'à 90 points par jour en faisant ça sur le navigateur. Donc là, vous pouvez voir aussi que j'ai gagné 12 points, justement, parce que j'utilise le navigateur Edge. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je vous le recommandais. Mais comme je vous l'ai dit, c'est optionnel, c'est vous qui voyez. Après, vous avez ça aussi. Donc ça c'est pour le portable en fait, vous pouvez faire la même chose mais sur portable, donc vous vous connectez sur votre compte Microsoft et vous faites les recherches sur Bing au lieu de Google, ça vous donne jusqu'à 60 points. Donc ça c'est des choses qu'on fait quasiment tout le temps, moi je ne l'ai pas fait, il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Voilà. Et voilà, il y a vraiment plein de méthodes pour gagner les points. Donc une fois que vous avez obtenu 10 000 points, donc ça c'est le minimum parce qu'en fait avec 10 000 points vous pouvez acheter une carte Microsoft d'une valeur de 10 euros. Donc c'est ce qu'il faut pour pouvoir acheter des V-Bucks sur Fortnite. Vous allez aller sur Redeem et là si ça fonctionne pas, donc là par exemple ça fonctionne pas, vous allez faire ouvrir le lien dans un nouvel onglet en faisant un clic droit. Et là vous allez descendre jusqu'à trouver carte cadeau Microsoft. Donc là voilà, carte cadeau Microsoft. Et vous cliquez sur ça. Voilà, donc là vous atterrissez sur la page là et vous allez avoir différents choix. Donc il faudra sélectionner au minimum 10 euros. Voilà, donc là vous voyez que ça coûte 10 000 points. Et bon, moi, vu que je suis niveau 2, j'ai une réduction de 700 points. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Redeem Reward pour recevoir la récompense. Et là vous allez confirmer. Donc là, il y a une petite vérification. Donc, on va demander d'envoyer un SMS juste pour confirmer que vous êtes bien une personne réelle. Voilà. Donc, moi, j'ai fait la vérification. Et une fois que c'est bon, ben, du coup, vous allez recevoir les 10 euros sur votre compte Microsoft. Et on va pouvoir acheter des V-Bucks. Petite précision, vous l'avez peut-être remarqué, mais il est indiqué que des frais peuvent s'appliquer dans la réception du message. Alors, vous inquiétez pas, tout ce que vous allez faire, c'est sélectionner la méthode SMS et pas l'autre. C'est juste parce qu'en fait, Microsoft a besoin de s'assurer que vous n'êtes pas un robot. Et donc, il faut une vérification avec ça.
Mais dans quasiment tous les cas, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Et si c'est le cas, c'est genre 5 centimes ou 10 centimes, donc que dalle. Voilà, donc là j'ai bien validé la vérification donc, qui a été demandée juste avant avec le portable. Et voilà, donc là c'est marqué, la récompense est sur la route, et donc les euros vont être ajoutés très prochainement sur mon compte. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à, donc vous vous rendez de nouveau sur le Xbox Cloud Gaming, et là cette fois-ci on va se rendre dans la partie V-Bucks, donc avec la touche 6 du pavé numérique. Donc vous vous déplacez vers la partie V-Bucks. Et là, bah, du coup, vous allez sélectionner 1000 V-Bucks ou plus, hein, si vous avez plus sur votre solde Microsoft, mais moi, comme j'ai pris 0€, du coup, ça va être les 1000 V-Bucks. Donc, vous faites Entrée. Voilà, et donc là, après, vous appuyez sur la touche juste en dessous de Entrée, là où c'est marqué Pause, avec la flèche vers le haut, pour acheter. Voilà, et là, vous allez cliquer sur Acheter. Voilà, donc là, normalement, vous devrez avoir ça. Donc ne sélectionnez surtout pas une autre méthode de paiement. Si ça vous dit de sélectionner PaySafe Card ou un autre truc comme une carte de paiement, c'est que c'est pas bon. Voilà. Donc après, vous faites suivant. Et si vous n'avez pas d'informations concernant votre adresse, vous devez les mettre. C'est juste Microsoft en a besoin. Sinon, vous ne pourrez pas continuer avec les 10€ que vous avez gagnés. Voilà. Donc vous remplissez ça. Et après, vous faites enregistrer. Voilà, donc une fois que vous avez renseigné donc les informations, donc avec votre adresse, bah voilà, bah vous devrez avoir cet écran donc qui vous demande ce que vous utilisez. Et donc là, vous sélectionnez bien le solde du compte Microsoft 10€ et pas autre chose. Donc là, vous voyez, j'ai bien justement mon solde du compte Microsoft. Donc vous sélectionnez bien ça et bah vous faites maintenant acheter. Et voilà, et bah c'est bon, vous voyez, j'ai bien les V-Bucks, donc j'ai bien gagné 1000 V-Bucks, et ils sont bien crédités directement sur mon compte, donc vraiment, ça fonctionne, c'est officiel, c'est legit, et c'est pas du fake. Donc voilà, vous avez bien vu, j'ai gagné 1000 V-Bucks en live, et voilà. Voilà, donc bah, comme vous le voyez, je suis de nouveau sur le compte PC, et les V-Bucks sont bien crédités. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur la méthode pour gagner des V-Bucks de façon legit et facile, et surtout zéro fake, parce qu'il y a zéro fake dans cette vidéo. C'est vraiment une méthode officielle, c'est un truc de Microsoft, donc voilà. Et vous aviez bien vu en live que ça fonctionne. Donc voilà, j'ai vraiment cherché loin pour trouver une méthode qui fonctionne, parce que c'est pas hyper simple. Avant, cette méthode n'était pas possible. Parce que il y avait une autre méthode, mais en fait elle fonctionnait que pour les pays étrangers, genre aux États-Unis, et en France du coup ça ne fonctionnait pas parce qu'il n'y avait pas le Xbox Cloud Gaming, enfin bref voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like pour me soutenir et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se dit à la prochaine, à plus.